Après, c'est une déception. Non, bien sûr, c'est une déception. Quand tu sors de quart de finale, et surtout après le match que nous avons fait contre Nigeria, c'est une déception. Après, comme j'ai dit hier, on a joué une très belle équipe du Burkina. Alors. Ils nous ont empêchés de jouer. Je pense que nous, première mi-temps, on est rentré un peu trop timidement. On n'a pas joué mal Thiq. On n'a pas posé assez de problèmes dans la défense burkinabé. Et deuxième mi-temps, je pense que c'était mieux. On était mieux, on a eu quand même quelques occasions, mais c'était trop tard. Après, il ne faut pas oublier, honnêtement, j'ai revu les images du pénalty sur Wahbi, il y a pénalty. Il marque, il touche la main, il y a toujours ces trucs-là, mais on ne va pas rester sur ça. Nous, on doit faire plus. Et on doit, dès qu'on fait un gros match comme le Nigeria, on doit toujours garder le niveau. Et chaque match. Et malheureusement, on n'a pas cette rigueur et cette régularité fait le Moustawa. Ça paye cash, quoi. Déjà, ce qu'on a vécu, c'était incroyable. Au niveau des conditions, le début, même déjà ici en Tunisie, on n'a pas vu de match amicaux avant une compétition. Vraiment, tout était contre. Mais on s'est dit, nous, on est un bon groupe. On s'est dit, malgré tout ça, et on a commencé, on s'est réveillé contre le Nigeria et le Burkina. Vraiment, on pensait vraiment faire quelque chose de bien et pourquoi pas aller au bout. Il faut donner la base, non? Ah, bien sûr, on va tout donner, Inch'Allah, et on va tout faire pour ramener le Sha'b Twent ou le Nesekul, la Coupe du Monde. Vraiment, ça va être notre principal objectif, Inch'Allah. Honnêtement, tu peux dire favori au niveau des noms, mais là où c'était une très très belle équipe. Hein. Burkina, ils ont aussi l'expérience. Oui, non, c'est sûr, c'est vrai, tu peux dire ça. Je pense honnêtement, on n'est pas rentré avec le nefs el gara, ou nefs el l'état d'esprit que contre le Nigeria. Pourtant, on était prévenu. C'est une bonne équipe au coucher, mais ils ont bien joué, ils ont bien sorti le ballon et on leur a trop laissé. Et on n'a pas posé assez de problèmes. Et après, ils ont marqué ce but et ils ont la confiance en terre. C'était difficile après. J'ai pas envie de parler de ma situation. En tout cas, il me reste 6 mois et on verra après, Inch'Allah, ce qui va venir. On parlera peut-être plus après la Coupe du Monde. Le match de barrage, on parlera, Inch'Allah.